Holy shit, this is scary. I know. But we're here. Let's go find the best way in. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Salut à tous, c'est Corinne Harver et on se retrouve sur Life is Strange pour continuer notre aventure. Alors on se retrouve avec Chloé devant cette grange, puisque la dernière fois nous avions recollé tous les éléments, on avait fait une petite enquête grâce aux indices qu'on avait récupérés. Et donc voilà, c'était un peu digne des plus grandes séries policières, n'est-ce pas? Et après avoir fait des recherches sur les indices, eh bien on avait trouvé tout ce qui amenait à cet endroit pour savoir ce qui s'était passé avec Nathan, avec le trafic de drogue qu'il faisait pour les soirées où Kate et Rachel, pardon, j'avais oublié le nom, étaient. Voilà. Alors, j'ai vu que j'ai... Oui, oui, deux secondes. J'ai vu que j'ai reçu un message de Warren, donc on va vite fait aller le regarder. C'est ça, hein, c'est Warren? Ou de Justin? Enfin bref, j'ai des messages de tout le monde, j'ai l'impression. Mais ça doit être Warren que je viens de recevoir. Alors, hein? Quoi? Comment? Attendez. Où est-ce qu'on en est? Oui, c'est vrai, j'en ai de la chance. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, c'est là. Merci de m'avoir séparé de Nathan. Mon côté primate est ressorti. C'est clair qu'il avait besoin d'une raclée, mais je veux pas m'abaisser à son niveau. Et puis, il finira bien par s'en prendre une, un de ces jours. Tu es sage, petit scarabée. Merci, mais je ne suis pas exactement le héros dont cette ville a besoin. Tu es quand même un héros. Il nous faut juste les costumes, maintenant. Au fait, j'espère que tu vas venir à la soirée, qu'on puisse fêter ça. Je te tiens au courant, promis. Cool, il faut que je me calme là. Ouais, calme-toi, calme-toi, Warren. Alors, on a eu des messages d'un peu tout le monde, alors je sais pas si on va tous les lire. Richard March. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est... D'accord, c'est le père de Kate. Max, c'est encore Richard March. Je voulais vous faire savoir que les obsèques de Kate auront lieu la semaine prochaine. Notre famille tenait à vous... invités à y assister, je sais que vous avez traversé beaucoup d'épreuves et nous comprendrions tout à fait que vous ne puissiez pas venir. Kate était notre ange et votre amitié avec elle est une bénédiction pour nous tous. Je vous transmettrai les détails dans la journée, merci encore d'être une lueur dans l'obscurité. Merci Mr. March, je compte absolument me rendre aux obsèques, je sais que les mots ne signifient pas grand chose mais je tenais à vous dire que Kate est à jamais dans mes pensées. D'accord, très bien, voilà, donc ouais, voilà, il faudra forcément aller aux obsèques, hein. Il faut le faire quand même. Voilà, Nathan, je sais pas, tu pètes la porte de ma chambre, je te défonce ta bourse. d'accord. Bon, bah, on est mal, hein. ok. Bon, si vous voulez, vous lirez ça. Voilà, mais je crois qu'on a déjà lu. Voilà, ensuite, ensuite, je sais pas si c'est vraiment très intéressant pour l'histoire. Hop, et puis j'ai pas envie de tout lire maintenant. Pour ton makeover, ok, d'accord. Ça, c'est pour préparer la soirée, j'imagine. Ouais, bon, très bien. Ok. Parfait, bon. Alors, Chloé, bon, t'es un peu bloqué là, il va falloir que je t'aide peut-être. Les traces. These are thick tracks and definitely fresh. Nathan's SUV? Bah, j'espère pas. Oh, un écureuil. Salut toi. Tu veux pas prendre une photo? Bon, très bien. Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Ouais, non. Je pense pas clairement. Très bien, bon, bah on va faire le tour alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a par ici. Il y a des écureuils partout, c'est trop bien. Rien à faire ici, non. Oh, un autre... Non, je l'ai fait fuir. Oh, je suis sûr que j'aurais pu prendre une photo. Mince, je l'avais pas vu. C'est dommage. On peut prendre une photo de ça, là? Je regarde, hein, parce que des fois qu'on pourrait avoir un succès Steam en plus, hein. on est toujours friand de ça. Hop. Ok, bon, alors là, il n'y a pas grand-chose. Ah. Peut-être une ouverture, ça. Chloé, j'ai trouvé la porte d'entrée. Come on! Oh, yes! Maximus rules. God,
this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No. Look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Ok. Alors je suis désolé, là, l'image n'est vraiment pas fluide. Yes, old Prescott clippings. But that can't be the only thing here. Donc je suis vraiment désolé si ça continue à être comme ça pendant l'épisode, j'espère que ça va pas trop être dérangeant, mais vous voyez que là c'est vraiment pas fluide. Enfin, je sais pas si vous le voyez en fait, mais moi, clairement mon compteur m'indique 20 FPS, donc c'est pas ouf, hein. Vraiment c'est pas ouf. c'est peut-être l'endroit qui fait ça, mais je ne sais pas, c'est peut-être les effets de lumière, je sais pas trop. Voilà, mais c'est sans doute mon ordinateur aussi qui a du mal, je suis vraiment désolé. This tractor has paid its dues. Ouais, je pense aussi hein, qu'il a eu des jours meilleurs. Okay, there's no reason for anybody to drive out here. But there must be. I guess the Prescotts were just born bastards. Très cher monsieur Lyndon, je vous écris concernant les impayés que vous avez pris la décision d'ignorer. Les Prescott ne sont peut-être pas des hommes d'affaires établis dans la bonne société, mais nous n'en restons pas moins des hommes d'affaires et nous attendons à recevoir ce qui nous est dû. Votre silence est, à nos yeux, un affront personnel et nous exigeons de votre part, au nom de notre famille, le recouvrement de la totalité de votre dette, plus des intérêts s'élevant à 10% ainsi qu'une lettre d'excuse de votre part. Soyez assurés que dans l'éventualité de ces conditions ne seraient pas remplies en date du 24 juillet en l'an de grâce 1903, nous appliquerons à faire de votre vie un enfer. Cordialement, Martin Lewis Prescott. Ok. Comment abuser de son pouvoir? Lol. Alors, très bien, c'était pas forcément très intéressant pour notre enquête, mais bon. Wow, sir. Talk about home on the range. Ouais, c'est un peu ça. Hop, oh, oh. Bouton mouillé. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. D'accord. Très bien. Ok, rien d'autre ici. Une fourche. If a zombie shows up, I have my weapon. Ouais, c'est bon, tout va bien. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Ok, et dans les bottes so de foin. Many haystacks, so few needles. C'est ça qu'elle dit à propos des bottes de foin. So many haystacks, so few needles. D'accord, d'accord. Ok, rien d'intéressant. J'ai l'impression d'avoir fait le tour, mais peut-être pas. Just rotting wood. Ok, à mon avis, il va falloir chercher un petit peu partout dans le sol, ouais, voilà. Ici, il y a l'air d'avoir quelque chose en dessous, non? Nothing here. Ah non. C'était une tôle, très bien. Ouh là là, c'est pas fluide du tout. Oh là, je suis vraiment désolé, les amis. Ah, il y a une photo ici. Bah non, je l'ai déjà vue, cette photo. Ouais. Je l'ai déjà vue. Tracteur, ok, la caisse, tout ça. Alors là, les amis, il n'y a pas quelque chose en dessous, là, ici? Là, j'avoue que je coince un peu. Tout en hauteur, non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être juste dans le coffre, faut aller regarder depuis Chloe le début. Would make a great detective too. Non, pas du tout. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. Ok. Bon. Alors là, les amis, je crois que j'ai à peu près fouillé tout, donc je sais pas ce qu'il faut faire. Toujours rien à foutre, ouais d'accord. Ah, voilà, là on peut chercher le sol ici, ok. Je suis sûr qu'ici il y a quelque chose. Nothing here. Non. Bah quand même. On peut pas l'utiliser ça. These hooks are used to lift haystacks. Ouais, d'accord. I saw them in a Friday the 13th movie.
Ça sert à rien de chercher dans le sol pendant des heures. Hein. Ah. Wow. What is this? Aha. It's totally brand new. Ça y est, on a trouvé ce qu'on voulait. No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Ah, the good old days. Ouais. Ok, donc c'est pas ici qu'on va pouvoir ouvrir ça. Alors il faut trouver, j'imagine, les clés, à moins que qu'on prenne. Ah non, je crois savoir ce qu'elle va faire. Oh, Supermax est dans la place. Parfait, bien joué ça. Très bien, j'y avais même pas pensé au début. Alors, oula, alors attendez, parce que là je crois qu'il va falloir faire des trucs, grimper. Chloe, can you give me a hand? Sidekick at your service. Hop, hop and away, Supermax. I dig having minions. Ok, alors je suis vraiment désolé pour la fluidité, hein. Je pense que ça va être comme ça durant tout l'épisode, mais malheureusement je vais pas. J'ai pas envie de m'arrêter là comme ça parce que ça se trouve ça va pas être mieux après, donc bon. Voilà, on va tirer là-dessus, c'est parti. Ok, allez, c'est parti, monte. That looks sturdy enough to stand on. Mais oui. Allez, grimpe dessus. Non, tu veux pas? Ah, ok, faut faire comme ça. Ok, bon, j'espère que le bois est solide ici, hein. Parce que sinon, ça va pas le faire. Nope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. Ok, ça marche. On peut pas prendre une botte de foin? Oh, un hibou! Oh! Il s'en fout. Il n'a rien à foutre. Ok, un petit succès, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on a une belle vue ici? Non, pas du tout. Bon, après, c'est plutôt sympa. Enfin, je trouve que c'est pas très lugubre comme endroit. Franchement, c'est sympathique, quoi. Bon, alors, il faut quand même qu'on trouve de quoi... tirer ça avec quelque chose de lourd. Alors, moi, je pensais à une botte de foin, mais apparemment, on peut pas forcément attacher ça à une botte de foin. Tiens, tu veux pas me dire quoi faire, toi? Good evening, Doctor Who. Sorry. Ok, non, donc tu m'aides pas, merci. Hein. Et là, est-ce qu'on peut tomber là? Bon, je vais pas essayer. Bon, alors, par contre, c'est-à-dire que. Here's the other end of the rope. Ouais, d'accord. Ah. Max, use your rewind and get that motor back up there. Ah, d'accord. Ok, ça a bugué les amis. Hein? Ça marche pas. Attendez. Faut remettre le moteur à sa place. Ah, d'accord. Je pense qu'il faut redescendre. Attendez. Je regarde juste. Hein. Alors, voyons voir. Ah non, faut peut-être même pas redescendre. Voyons voir. Pourquoi on peut pas remonter Ah si, voilà. Parfait, je pense que je devais faire une fausse manip. Voilà, donc là j'ai remonté le moteur. Nickel. Et donc maintenant, on va le mettre là. Voilà. Ça va fonctionner. Bim. So that didn't work at all. GG. Mais oui, mais en même temps, bon, c'est pas ça qu'il fallait faire, si. Moi, je pensais qu'il fallait tirer dessus avec. Here's the other end of the rope. Enfin, je pensais. Mais bon, j'ai peut-être pas. J'ai peut-être pas bien pensé. Non, si, c'est forcément ça. En gros, moi, je pense qu'il faut prendre le moteur, le mettre ici et tirer la corde avec le moteur.
Attendez, on va essayer quelque chose, les amis. On va essayer ça. Alors, voilà, le moteur est ici. Regardons. Talk about heavy metal. I could use that to open the hatch. Ah ouais, non. Voilà, moi j'attacherai plutôt ça au moteur. Voilà. Parfait. Et là. MacGyver strikes again. Et ben voilà, c'est ça qu'on veut, Max. Bien joué. Ah. Parfait. Et donc maintenant, l'entrée est disponible. Donc on va rentrer là-dedans. Alors j'espère qu'il n'y a personne en dessous. On va bien voir. Damn, this is heavy. Damn. What is this? Jackpot. Do I even need to say how weird this is? He just did. Who built this kind of place? A Prescott, of course. Ok. Donc si ça se trouve c'est ici que... Enfin, je sais pas. Je sais pas, je me pose peut-être des questions pour lui. This bunker is so surreal. Ok, alors regardons peut-être la porte avant. This is too heavy to break, so I'll need a code. Ouais. First a padlock, then a digicode. Someone really doesn't want... Visitors. Je finis ta phrase, hein, parce que je t'ai coupé, excuse-moi. Alors, le code. Comment savoir quel code utiliser? Alors, j'ai l'impression que l'usure des trucs me dit que... Attendez. Faut trouver un code là, on va pas trouver ça comme ça, genre. Voilà. You can do it, Max. Non mais oui, attendez. Ok, donc il faut trouver le code. Alors le code, qu'est-ce que ça peut être? Come on, Max. Break that digicode. Now that's a serious door. Where's Gandalf when I need him? Alors, ok, d'accord, donc faut craquer le digicode, mais comment on fait? Oh no, it didn't work. On va pas essayer tous les codes possibles, là. Attendez, j'ai dû louper quelque chose, je pense. Moins que, enfin, c'est forcément... C'est, pour moi, c'est ces chiffres-là, parce qu'ils sont plus usés que les autres. Mais après, l'ordre... 125, peut-être... Think. You locked it, dumbass. Aïe. Bon, il faut vraiment dans le temps. Ok. Alors. Some numbers look faded, so I just have to get lucky. Il faudra que j'ai un coup de chance. Ouais, en gros, c'est ça. Voilà, donc j'avais raison. En gros, certains des chiffres sont effacés, ça veut dire qu'ils ont été plus utilisés que les autres. Maintenant, lesquels... Clairement, clairement, c'est juste de la chance, non? S'il y a 2, 5, 4, pourquoi pas... C'est pas... Oups, bad code. Après, il y a le 6, le 3 aussi peuvent être utilisés pas mal. C'est compliqué, dis donc. voilà, on peut essayer encore 5, 4, 2. Oh, yes! I thought that only worked in the movies. Bah, c'était ça. Open sesame. Stocked and ready for the apocalypse. This must have cost a fortune. Come on. Ouais, c'est très bizarre. No
What the hell is this? More survivalist supplies. Mm-hmm. Water supplies. It's like in David's garage bunker. Look at these cans. David must shop at the same store. Aye. Whoa. This says it all about Nathan. He needs help. Ok, alors il fait des consultations psychiatriques. Ouais, le danger qu'il représente pour les autres, ouais, très grand, d'accord, tout ça. Ok. Je crains qu'il ne soit en passe de perdre tout contact avec la réalité, bien qu'il semble agir de manière aimable. Ok. Donc même les psychiatres y arrivent plus avec lui, quoi, donc c'est assez chaud. Duct tape in a bunker is always a bad sign. Ouais. Ok, alors en fait, les provisions, là, ça me fait penser qu'ils se préparent peut-être à la fin du monde, là, enfin, comme s'ils voulaient se protéger de quelque chose qui allait arriver, alors qu'ils savaient peut-être qu'il allait arriver. Du coup, bon, ouais, alors pourquoi il y a... Oh, c'est quoi ce bordel? Pourquoi... Pourquoi y a-t-il la veste de Nathan ici avec... avec un studio de photos? I guess Nathan needs the most expensive printer in the world. Oh, c'est quoi cette imprimante, quoi? Et c'est ce genre de photos qu'ils font? Un peu glauque, hein? That son of a bitch. Bâtiment Howard Road, Bunker Stormbreak, devis 1 350 650. Du coup c'est 1 350 000. Enfin, je sais pas si c'est en écriture anglaise ou pas, mais c'est peut-être 1 350 650 000. Ça fait beaucoup de dollars, hein, en tout cas. Oh la vache. Talk about tortured. C'est un petit peu bizarre tout ça. Regardons cet ordi. Wow. What is going on between Nathan and his father? Je t'ai déjà dit de ne pas servir ton téléphone pour m'appeler. Tiens-toi aux appareils jetables que je t'ai donnés. Je ne veux pas t'entendre bêtement hurler mon nom en plein lieu public, pardon. Ce ne serait pas la première fois. Je n'ai pas tout mis en place et partagé mes lumières avec toi pour que tu foutes tout en l'air avec ta rage d'ado. Ensemble, nous pouvons beaucoup, mais tu dois me laisser te guider, sinon tu ne retrouveras sans personne. Quoi? Il se passe des choses, les amis, c'est très intéressant. Hein. Oh my god. No. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait, Kate? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh yeah, school suspension is a deal breaker in the Prescott family. Ok, je vais peut-être la lire. Cher Nathan, le proviseur m'a informé de ton exclusion de l'académie pour cause d'activités suspectes liées au Vortex Club. Peu importe tout ça, je tenais à te dire que tu as encore une fois gravement souillé le nom de notre famille. Je t'ai donné tout ce que tu voulais, dont l'académie Blackwell, entre autres choses dont je ne parlerai pas ici, excusez-moi. C'est pas très clair ce que je dis. Mais tu n'es jamais satisfait. Tu restes néanmoins mon fils et nous devons remplir notre destin. Ce jour va arriver plus vite que tu ne le crois, alors prépare-toi à prendre tes responsabilités. Ceci est mon dernier avertissement, Sean Prescott. Ok, donc ils savent bien qu'il va se passer un truc, mais on sait pas encore quoi, là. Ils se préparent à quelque chose, mais... Ça est très intéressant, en tout cas, et ça fait un peu peur, là, de voir tout ce qu'ils ont fait, là. Bon. Donc ça, c'est la veste de Nathan, hein, il me semble. Oh, shit. That's Nathan's jacket. Has he been here recently? Bah oui, forcément. Ah, the Apocalypse Entertainment System. Ouais, c'est pas faux. Ok, voilà, on va y aller progressivement. Hein. J'essaye de voir s'il y a pas des trucs cachés parce que. That's an original signed illustration. Fits perfect in here. Là, à mon avis, tout ce qu'on peut trouver Keep est important. Chloe. Somebody likes their whiskey. Mm-hmm. These newspapers are all about Rachel and Kate.
Ouais, d'accord. Ok. Oh là là là. Et vous voyez tout ça, je suis sûr que si Kate s'en était sortie, tout ce qui se passe en ce moment aurait été complètement différent, les amis. C'est ça qui est fort dans ce genre de jeu aussi, c'est que les scénarios sont tous différents et c'est franchement bien. Alors, voyons voir ça. Needles. Gross. This must be the crap that Nathan gets from Frank. Ouais. Ok, donc là, le studio photo. Yeah. Petite photo max. Attendez, on va essayer de se mettre dans le blanc là, voilà. Bon, bah c'est joli ça. On se quitte sur ça, non pas du tout. Alors, un trépied. So who's using this fancy tripod? Bah, je sais pas, hein. C'est vraiment bizarre ce qui se passe ici. Hein. I've never seen so much pricey equipment before. Ok, bon, alors là, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait ici, hein, à peu près, je pense. Voilà, on a regardé ça, tout ça. La caisse. Ok. Donc ce placard-là, on a cherché dedans. Celui-là, je ne sais plus. Je crois pas. Oh. Vous voyez ce que c'est, ça? Come on, let's see what this shit is all about. We are. Okay, a binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Oh no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all post shots, right? Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard! Max, we have to find that spot, now! Then we can see what he did. There's no way she's dead, no way! She posed for those pictures, Max. I know it, please, let's go. Oh my god. Rachel, Kate, all these files. This place actually feels evil. Oh la vache, les amis. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais ces dossiers et cette armoire, en fait, on avait un plan dessus à la fin de l'épisode. Enfin, je sais plus à la fin de quel épisode, je pense même à plusieurs épisodes, à plusieurs fins. On avait un plan dessus, juste à la fin, qui montrait les classeurs avec des noms. Et en fait, là, on vient de voir où ils étaient et on vient de voir à quoi ils servent, mais... This picture is framed different. Rachel is awake and fucking furious. Oh my god, là ça commence à devenir glauque, les amis. Rachel is passed out and she has something in her mouth. This shot is so staged. I can't believe it's real. I can't. Oh la vache. Kate looks so doped up. She has no idea she's being posed. At least Kate was asleep through all this bullshit. C'est quoi leur délire? Bon, alors écoutez, je pense qu'on va aller suivre Chloé, parce que là, Chloé, ça l'a mise tellement dans un état de fou, quoi. C'est fou. Ok, bon. Je pense qu'on va continuer un petit peu. I know exactly where I'm going.
This is it. This is it. Are you gonna help me, Max? Chloe, stop. Look. Please, no. Oh, that smell. Rachel. Oh. I hope Nathan enjoys his last party. Chloe, we can go right to the cops. We have proof. Fuck the police. Rachel wanted us to find her. So we could get real justice. And revenge. The Prescotts have had this coming for 100 years, and nobody is gonna get in my way. Especially with your help. Right? I'm with you to the end, Chloe. You know that. You're right. Look at the outline. I can't tell if they're different. What is there that? Can't be two moons. Jesus, Chloe, look up at the sky. Possible. Beautiful. I don't give a shit. The world is ending. Cool. You're not listening. Something major is going down. That's right. Nathan Prescott is going down. Welcome to the end of the world, ladies. I'm glad you decided to escort me. You look really good, Warren. Are you all right after today? I'm glad you stopped me. Nathan is dangerous. Where is he? I didn't see him at the dorm again. I was held up in my room. Dude, have you been drinking? Well, if you consider half a beer drinking. Let's go, Max. Hey, hey. I know this is a bad time, but can I get one picture? I've been feeling like this might be actually the end of the world, so I want to have something for prosperity. Well, I don't blame you, Warren. I know. I'm a pain in the booty. Just one picture. Action. We've got no time for this shit. Come on, Max. Sorry. I just wanted to feel like a normal student after this week's ultra violence. I never hit anybody like that before. I was always the one getting my ass kicked. Hey, we still need your expert help. If you see Nathan, text me immediately, okay? And do not let him see you. He won't. I know how to be invisible here. Not to me, Warren.
Aztec soon. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là, voilà, j'ai fait pause parce que j'ai pas envie que ça continue. Donc voilà, on va se laisser ici, on va se garder cette fête qui va à mon avis mal tourner pour la prochaine fois. Cet épisode était quand même rempli d'émotions, je dois dire, parce que déjà c'était à la fois intriguant quand on est arrivé dans la grange, ensuite on a découvert cette pièce totalement tellement glauque, hein, il faut le dire quand même, parce que bon, voilà, c'est un petit peu le repère de tueur. Hein. Donc bon, c'était quand même assez, c'était assez fou déjà à ce moment-là, et ensuite, quand la scène de Chloé qui creuse dans la terre, là, c'était juste, c'était vraiment très émouvant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Enfin bon, que, voilà, c'est pas très, je sais pas comment dire, c'est pas très joyeux tout ça, mais bon, j'espère que ça vous a plu quand même, que vous avez ressenti autant de frissons que moi. Moi, ça m'a fait quand même pas mal d'émotions, donc bon, c'était plutôt cool. Et donc, j'imagine que le prochain épisode sera la conclusion de cet épisode 4 de Life is Strange, à moins que l'histoire ne soit un peu plus longue pour cet épisode, mais je ne pense pas, hein. Je pense que ça restera un petit peu dans le temps de tous les autres épisodes. Donc voilà, on se retrouve donc sans doute pour la conclusion, je ne sais pas, mais sans doute, la prochaine fois. J'espère que d'ici là, eh bien, vous porterez bien et que vous serez là au rendez-vous pour la fin de cet épisode, j'espère. Et puis, bah, d'ici là, portez-vous bien, et on se retrouvera sans doute sur d'autres vidéos d'ici là. Voilà, donc sur ce, à plus.